Un nouveau jour, une nouvelle épreuve. Je ferais mieux de rentrer. Te voilà. Es-tu prêt? Je crois. Chasse le passé de ton esprit. Il est sans effet sur le présent. Habille-toi, et nous commencerons. Vas-y, Basim. Comme à l'entraînement. Oui, maître. Tu as l'air en forme, Basim. Continue comme ça. Du calme, Basim. Tout va bien. Saute. Allez! J'en ai vu assez. Nous resserrons demain. J'étais serein. Ton corps le montre clairement. Tu te laisses trop facilement distraire. Le saut de la foi est une étape cruciale et incontournable de ton parcours d'initiation. C'est l'un des rites les plus sacrés, les plus ancestraux de la confrérie. Pour l'effectuer avec succès, tu dois centrer ton esprit, ton corps et ton âme. Accueille la peur. Dompte-la. Trouve la sérénité. Et lance-toi. Oui, maître. Bon, rentrons en campement. Puis-je vous poser une question? Tu peux. À Anbar, au palais. J'ai été témoin d'une rencontre entre le calife et 5 hommes masqués. Des membres de l'ordre. Le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert. Mais ignorait ce qu'il comptait en faire. Il ne connaissait même pas leur nom. Pourquoi l'homme le plus puissant de Bagdad s'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage? L'ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles. Et cela en les persuadant de sa vérité, qu'il est l'arbitre naturel du monde. Le calife n'était que leur pantin, tout comme celui ou celle qui lui succédera. Le califat tout entier et sous l'influence de l'ordre. Basim, parle à Foulad. Vois s'il a besoin d'aide. Nous poursuivrons ton instruction plus tard. Bien, maître. As-tu vu Mentor Reyhan au campement? Il se prépare à recevoir l'émissaire des Taïrides. Merci. Bonjour, Tabid. Bonjour, Basim. Que t'arrive-t-il? À vrai dire, je me sens frustré. L'ordre ne cesse de se renforcer à Bagdad depuis le décès du calife. Et nous demeurons sur cette montagne. Mentor Reyhan sait certainement ce qu'il fait. Je manque peut-être de confiance. Aurais-tu vu Foulad? Il doit être dans son bureau, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, je dois me remettre au travail. Arakalahikan. Ah, qu'y a-t-il dans ce coin-là? Dis-moi, un petit dessin? C'est ma signature, afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça, et pas Al-Hassan ou pire, Abu Jafar. Je plaisante, bien sûr. Wadan. Ah, Basim, comment vas-tu? Oui, Enkidu, tu vas manger.
Il est intelligent. Et l'intelligence est censée rimer avec patience. Ce qui me rappelle quelqu'un. N'aurais-tu pas parlé à Maître Roshan ? Sois patient. Veille à faire des progrès. Je m'y applique sans cesse. Roshan m'a demandé de venir te voir. Ah oui, Rebecca a besoin de lanières de cuir. Peux-tu aller en chercher dans les réserves ? Tout de suite, Foulad. Arrakalahikan. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas simple de trouver quelque chose ici. Non, ce n'est pas une lanière de cuir. Ces forces au sein même du califat commencent à peser lourdement sur nous. Des forces ? Tu veux parler de l'ordre, Aban ? Je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance, Yasadiki. Le calife entend se débarrasser des rebelles. Et vous, vous persistez à les soutenir. Par conséquent, nous sommes dans une impasse. Nous ne pouvons pas vous protéger contre la réaction du califat. Les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad. Nous serions aveugles sans eux. Quoi qu'il en soit, aveugle ou pas, le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion. Ça, je n'en doute pas. Je suis venu vous prévenir. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes paroles, Aban. Ainsi, les Tahirites qui dirigent ces terres représentent l'unique protection d'Alamut contre une attaque d'ampleur. La paix est fragile. Combien de temps durera-t-elle ? Alors, comment se passent les travaux ? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait, Yasaidi. Cela doit être agaçant. Mentor Rayan est un homme sage. Mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici. Nous nous montrons patients et appliquons ses ordres. Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat al-Salam. Je prendrai moi aussi mon temps. Bagdad a bien changé. Cette ville grouille de danger. Rebecca ? Basim, Basim. Es-tu encore aéré sans but dans le campement ? Non. J'ai ce morceau de cuir pour toi. Fera-t-il l'affaire ? Apparemment, tu as dépassé le stade des épées en bois. J'ai protesté, mais Roshan a insisté. Voici ta dague. Et ton épée. Je suis fière d'y avoir travaillé. Cette lame a du tempérament. Je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales. Je suis ton débiteur. Je ne m'attendais pas à recevoir de nouvelles armes. Pour me remercier, utilise-la contre l'ordre. Qu'il ressente le tranchant de son tempérament.
Shan a dit que ton instruction n'était pas terminée. Va lui montrer ta nouvelle épée. Je brûle d'impatience. Comment va ton instruction, Yasadiki ? Nour m'a montré une autre manière de tenir mon couteau, et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible à tous les coups, et de façon meurtrière. Dois-je te rappeler comment on se sert d'une lame ? Assalamu alaikum, ya Sadiqi. Wa alaikum salam. C'est Foulad qui t'envoie ? Ma foi, non. Tu n'es pas là pour aider à déplacer ces pierres ? Ça, je suis certain qu'on ne me l'a pas demandé. Pardonne-moi, mais je n'ai pas le temps de bavarder. Il faut que je règle ça. Alors, si tu veux bien... Je te laisse à ta tâche, alors. صوابهم تماما ابن لوقا شخص ذكي من الصعب دحضها لا أعتقد أننا سنمتلك الأدوات اللازمة
Beau travail. À demain. Basim, il est temps de t'entraîner au combat. Que Rebecca me remette ceci m'a étonné. Une épée n'est-elle pas une arme grossière pour un membre de ceux qu'on ne voit pas? Ceux qu'on ne voit pas doivent savoir manier de nombreuses armes. Après tout, un combat peut avoir 1000 visages. N'importe qui peut brandir une épée. Toi, comment t'en serviras-tu? Je suis là pour apprendre, maître. Es-tu vraiment là? Eh bien, oui, je le crois. Ton corps est ici, oui. Mais en va-t-il autant de ton âme et de ton esprit? Est-ce une énigme? Non, c'est la différence entre la vie et la mort. Prends soin de me faire face et de tourner autour de moi. N'offre jamais ton dos à un adversaire. Oui, c'est mieux. Commence par me montrer tes coups rapides. Bien. Eh bien, je t'attends. Excellent. Il faut parfois appliquer plus de force à une attaque afin de causer davantage de dégâts. Mais cela fera baisser ta garde. Alors agis au bon moment. Vas-y. Oui, c'est ça. Allez, attaque en force. Excellent. À présent, la défense. Tu peux parer les attaques de ton adversaire. Après quelques parades réussies, ton adversaire sera étourdi. Essaie de parer mes attaques. Comme ça. Oui, c'est bien. Excellent. Il est impossible de parer certaines attaques, qu'il faut alors esquiver. Prépare-toi. Bon travail. C'est ça, oui. Oui, bien joué. À présent, improvisons un combat. Sers-toi de ce que tu as appris. Tu as réussi à me surprendre. Bien joué. Allez, réveille-toi. N'attendez pas. C'est tout pour aujourd'hui, Basim. Pourquoi s'arrêter? L'échec ne m'apprend rien. L'apprentissage exige action et calme, à parts égales. Tu as pratiqué l'action. Cherche à présent le calme. Ne presse pas les choses. Sois patient. L'échec fait partie des progrès. Médite sur ces paroles, et reviens mieux préparé. Oui, maître. Entendu. Bien. À plus tard.
Ahmad va bientôt regagner la maison de la sagesse. Je crains qu'il ne se retrouve au cœur d'un nid de serpents. Je sais à quel point tu es proche de ton frère. Nous en saurons bientôt plus. Alors, nous pourrons agir. Assalamu alaikum, Abu Jafar. C'est Ahmad. Ahmad, oui, mes excuses. Ce n'est rien. Viens te réchauffer près du feu. Notre frère Ahmad doit nous quitter demain. Pour Bagdad, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse ? Nous y avons travaillé, mes frères et moi, pendant des années. Mais il me reste des choses à y faire. La science n'attend pas. J'accomplirai mon devoir envers ceux qu'on ne voit pas, en devenant vos yeux et vos oreilles parmi les érudits. Foulad, raconte à Bassim l'histoire de la plume. Notre tradition de la plume vient d'Égypte. Elle représente les plumes de Mahat. Les plumes du héron étaient trempées, plongées dans le sang des cibles. Ces plumes étaient laissées afin que puisse juger le seigneur de la douat. Il est important de demeurer humble et de connaître notre place. Nous sommes des messagers de la justice, mais pas les juges eux-mêmes. Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir ? Je vais venir avec toi, Anour. J'ai intérêt à faire de l'exercice si je ne veux pas avoir trop froid. Je t'en remercie. Allons-y. Tu viens, Bassim ? Tu écouteras ces récits plus tard. Puis-je te parler en toute confiance ? J'ai entendu par accident Mentor Raihan converser avec un émissaire. Mentor Raihan a demandé si nous risquions d'être attaqués en raison de nos liens avec des rebelles de Bagdad. Sommes-nous en sécurité à Alamut ? Je l'ignore. Mais je plains ceux qui voudraient attaquer ce nid d'aigle. Comment se passe la garde ? Il ne se passe rien sur Alamut. Et mon estomac est famine. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Parfait. Nous allons commencer par là. Merci. Viens, Anour. Suis-moi. Alors, as-tu hâte de recevoir ton initiation ? Oui, j'ai hâte. Et j'ai l'impression de m'y être préparé toute ma vie. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui a précédé ma cérémonie. Autant par excitation que par crainte, pour être tout à fait honnête. Nous avons tous peur de l'inconnu. Mais celui qui nous attend après l'initiation est impressionnant. Pourquoi ? Tu veux parler de l'ordre ? Je vois ses membres comme les monstres des contes. Tapis dans les coins sombres, les ruelles obscures. À ceci près que l'ordre est bien réel. Que cherche-t-il ? Il désire contrôler Bagdad. Voici Murja. Oh, magnifique. Bientôt, tu en auras un, toi aussi. Foulad m'a présenté un aigle appelé Enkidu. Il dit que nous avons beaucoup en commun. Mais ce n'était pas un compliment. Elle a vu quelque chose. Suis-moi. Chut. Pas un bruit, Bassim. Trouve un endroit où te cacher. Quel est cet endroit ? Approchons sûrement de leur campement, et ils ne le savent pas. Tenez-vous prêts. Silence. Faites un peu moins de bruit. Oh, attends-nous. Je suis avec toi. Il faut frapper vite. D'accord. Oh,
Ne fais pas un bruit. Qu'est-ce que... Allez! Tu peux compter sur moi. Séparez-vous! Cherchez! Mon Dieu t'attend! Là! Oui! Sois sans pitié! Ça change des cibles en bois, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Cette épée... Quoi? Qu'a-t-elle donc? Les mercenaires de Bagdad emploient ces armes. Il faut avertir les autres. Des mercenaires de Bagdad. Comment le sais-tu? Basim a reconnu le type d'épée qu'ils emploient, et j'ai confiance en lui. Fais-le venir. Comment sais-tu que ces hommes venaient de Bagdad? Ayant grandi dans les rues, j'ai souvent aperçu leurs armes. Et surtout de près. Derrière chaque mercenaire, se tient quelqu'un qui lui donne des ordres. Oui, et pour savoir qui, nous allons devoir agir. Nous allons regagner Bagdad et demander l'aide d'Ali ibn Mohammed. Ah, bien sûr, Sahib Azanj. Cet homme est un fou, et un fou dangereux. Peut-être, oui. Mais c'est l'un de nos seuls alliés à Bagdad. Nous avons besoin de lui et de ses hommes. Je retournerai à Bagdad. Va voir Ali. Découvre si c'est l'ordre qui a dépêché ces hommes. Entendu. Wafakakallah. Wafakakallah. Wadahan. Rakaraikan.